c'est que la commune a continué à gérer les zones sans aucun transfert, même partiel, réalisé en 2023. Saint-Denis perçoit des loyers et des redevances. Elle a vendu certaines parcelles. Et cela, comme risque, pourrait entraîner l'annulation des contrats et des ventes réalisées qui ont été faites sans l'accord de l'assignant. L'idée d'un risque, je crois que c'est un risque pénal, de gestion de fait. On dit, Madame la maire, que vous êtes à la fois en train de gérer, vous gérez et vous aliénez un patrimoine qui n'appartient pas à la commune, donc qui ne vous appartient pas. Mais en même temps, vous vous refusez de valoriser, d'entretenir le patrimoine qui vous appartient. On prendra qui pourra. Alors que ce patrimoine représente un enjeu économique, culturel, stratégique, et vous faites le choix de ne pas assez vous investir sur ce sujet. Alors là où moi je suis déçue, c'est vous sachant, avec une culture administrative, une culture normale juridique, je suis déçue de constater ça en fait. Je me demande quelle est la feuille de route que vous donnez à votre directeur général. Quelle est la feuille de route pour qu'on en arrive là? Parce que l'impression qu'on a, et mais croyez-moi, ça ne me fait pas du tout plaisir de le dire, mais c'est l'impression que vous nous donnez à nous et aux Tunisiens. On a l'impression que ces sujets-là, vous les mettez de côté. Mais à côté de ça, vous vous occupez de partout, là où je pense que vous travaillez directement avec les directions, où il y a. On peut passer des caméras, faire la communication, la propagande, le populisme, et vous le faites très bien. On reconnaît, je rejoins un étonné, mais vous faites très bien la communication. Et c'est là que ça pose problème parce que vous n'êtes pas élu pour ça. Et je suis encore désolée de vous le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre le job de la maire et le job d'une influenceuse. Pareil, le manque d'honnêteté par rapport à vos finances. Ok, le rapport dit que le fait que vous avez annulé de grands projets, vous avez économisé sur 4 ans 80 millions d'euros. Mais à côté de ça, vous avez les contentieux qui sont là et qui vont arriver encore. À côté de ça, vous avez, rien que pour cette année, 24 millions d'euros, vous allez devoir payer. Et lorsqu'on vous a interpellé, mais non, c'est pas ma faute. La faute à Paul, Jacques, qui va payer, c'est un tel. La réalité, elle est là, à se demander quel héritage vous allez laisser une fois que tous les ayants droit pour le projet, etc., vont se manifester, vont saisir des jurisprudences et vont réclamer leur droit à la commune. Juste pour dire à Madame Vitry que vous êtes, vous, un déshonneur pour la démocratie. Vraiment, je mesure, je réfléchissais, j'étais en train de me dire, mais comment est-ce qu'on peut réagir à ce que vous venez de dire? C'est vraiment un déshonneur. Et d'ailleurs, tout le monde ici, vous avez eu un mouvement dans la salle, les élus réagissent très rarement à ça. C'est parce que vous ne faites pas honneur à la démocratie. Quand la tâche est si lourde, les responsabilités sont importantes, et que nous faisons chacun au mieux, que nous venons de passer un temps politique extrêmement grave, où on a eu 7 candidats RN aux législatives, et bien c'est le fait aussi de gens qui n'ont pas la mesure comme vous, des propos. C'est des gens comme vous qui n'ont pas la mesure du travail à faire, ne serait-ce que pour assumer dignement son rôle dans l'opposition. C'est un vrai rôle que vous avez. Et soyez à la hauteur de ce rôle. Lisez, comprenez, essayez de comprendre les choses. Ne rejetez pas sur les autres ce que vous n'avez pas compris. Je ne suis pas une populiste. Je ne fais pas de la communication. J'explique, j'informe. Oui, bien sûr, je communique pour informer. Nous tous, les élus. Je sais que ça vous gêne, parce que les gens commencent vraiment à adhérer et à comprendre ce que nous faisons avec bienveillance. Ça vous gêne. Ça vous gêne l'école, ça vous gêne la culture, ça vous gêne le sport, ça vous gêne que la ville soit propre, soit belle, que les bâtiments sortent, que notre bel hôtel de ville tout blanc brille, que le futur grand marché qui est dans un état déplorable sortira, que ce même bâtiment est devenu très beau comme un grand paquebot, que nous arrivions aujourd'hui à vendre des logements que vous n'avez jamais réussi à faire à des gens qui attendent depuis 40 ans et qui ont vu leurs enfants naître et grandir là-dedans. Aujourd'hui, vous avez des personnes âgées qui signent l'acte notarié devant nous de remise de ce bien
à une autre génération. C'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de réussite. Et faire cette réussite, ça n'est pas la compétence du travail, pas de la mère, d'une équipe d'élus, d'une équipe administrative. Nous faisons le mieux avec les limites de l'exercice, mais nous faisons au mieux. Alors, je vous prierai, madame, de respecter, au moins par vos propos. Les mots ont un sens. Préparez vos interventions. Préparez-les pour mesurer vos propos. Et ainsi, restez digne de la démocratie et digne de la République, ce que vous n'êtes pas aujourd'hui, et singulièrement cette séance. Sur le rapport de la Chambre, je veux aussi dire ici qu'il faut nous regarder. La Chambre nous fait des recommandations extrêmement techniques. C'est un travail que j'ai souhaité comme cela, pour respecter chacune et chacun d'entre vous. Quand je dis ça, je dis de l'opposition, mais aussi des Dionysiens, des Dionysiennes. Nous n'avons pas réinventé les choses. Nous avons pris recommandation par recommandation. Mais oui, c'est le sens d'un rapport de la Chambre. Vous êtes d'accord avec moi, hein? On est d'accord, monsieur Lagourgue. Ok, on est d'accord. Si on est d'accord, c'est très bien. Un rapport de la... Non, mais soyons précis dans ce que nous faisons. Et sortons des postures et des choses qui font du mal à la démocratie. Je vous le dis avec beaucoup de respect, monsieur Lagourgue. Vraiment. Il y a un rapport de la Chambre avec des recommandations. Il y a 10 recommandations. Nous avons fait un travail extrêmement précis pour justement mettre en évidence les réponses que nous avions déjà transmises en partie à la Chambre et que nous redonnons comme information ici pour que vous ayez tout l'ensemble et l'approche globale du débat. Nous avons 2719 unités patrimoniales dans le patrimoine communal. C'est un travail, et monsieur Annette le disait, c'est un travail qui n'a pas été fait parce que ça ne faisait pas partie des priorités. Nous, c'est un travail que nous avons souhaité faire. Pourquoi? Non pas que je suis une gestionnaire, je ne suis pas une gestionnaire. Nous ne sommes pas ici des gestionnaires, nous sommes des politiques. Sauf que le temps a changé. Et que lorsque maintenant nous sommes à plus de 1000 habitants au kilomètre carré et que nous faisons partie de la ville la plus dense de la Réunion, où la moyenne est à 350 habitants, 340 habitants au kilomètre carré, ça veut dire que le patrimoine et la surface de terre que nous possédons, la moindre petite parcelle, est devenue une richesse absolue. Et que maintenant, en 2024, le patrimoine communal fait partie de la stratégie obligatoire et de la bonne stratégie de la durabilité de ce que nous pouvons et nous devons faire pour les années à venir. C'est ça que ça veut dire. Monsieur Lagourgue, je sais que ma responsabilité pénale est engagé. Vous pensez que je joue ne serait-ce qu'avec ma responsabilité pénale? Non. Alors, on l'a dit dans le rapport et on le répète. Oui, nous avons travaillé avec les autorités étatiques et j'ai beaucoup de chances de pouvoir être capable et avoir l'opportunité de travailler avec les autorités pour cadrer ce fait majeur qu'est la sécurité des gens. Il n'y a, je le répète, il n'y a aucun bâtiment ERP avec ce risque-là. Lorsque vous avez des écoles, nous le redisons, c'est parce qu'il y a, et d'abord il n'y a pas 9, il y a 7, et l'administration précisera le fait, parce que je crois qu'il y a encore moins, parce qu'il manque un papier administratif, etc. Et je veux remercier ici tous les élus, c'est un temps monstrueux. Les élus passent un temps monstrueux sur ce sujet fondamental de la sécurité. Et personne joue avec la sécurité des enfants ou des autres d'ailleurs. Et nous avons fait un travail qu'on a commencé avec bien sûr la préfecture, parce que ça s'organise comme ça, hein, madame, c'est la règle, c'est comme ça. Et donc nous avons fait 35 commissions ERP communaux, une centaine de commissions de sécurité et d'accessibilité. Nous avons fait 110 visites sécurité et accessibilité. Nous faisons
faisons des réunions techniques, nous avons des commissions d'études, enfin bref. Bref, mesurez vos propos. Non, non, vous répondez rien du tout. Et nous avons aujourd'hui 2082 ERP. Nous avons 493 communaux et le reste privé. C'est quand même absolument incroyable de se dire que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun ERP qui fait l'objet de fermeture parce qu'il y a un danger pour les gens. Reconnaissez quand même ce travail. Alors oui, 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 le patrimoine pour nous aujourd'hui est une priorité. Par exemple pour ça. Par exemple pour le tourisme. Et là, je suis d'accord. C'est vraiment un truc de fou que ceux qui ont la compétence n'arrivent pas à nous dire aujourd'hui si nous pouvons être ville touristique ou pas. Alors, c'est pas grave. Quand on ne peut pas faire, ceux qui doivent le faire ne le font pas, on le fera. Alors, on prend un cabinet, on va le faire. Mais ce que je note, c'est qu'entre hier et aujourd'hui, il y a des hôtels nouveaux qui sont venus. Il y a Dina Morganine. Il y a, comment ça s'appelle là, le Radisson. Il y a celui qui est en cours de construction, le Rantonnet. Il y a des établissements qui vont arriver dans le bas de la rivière. Il y a. Mais parce qu'on est attractif. Et parce que le patrimoine privé comme public de la ville est identifié et que les gens ont envie de l'exploiter, les gens ont envie de propulser cette commune là où elle doit être et là où elle est, c'est-à-dire première ville des Outre-mer. Il y a plus de 26% des croisiéristes qui viennent à Saint-Denis, quand il y en a 20 qui vont à Saint-Paul. Vous voyez ? Donc ça veut dire quand même qu'ils ne se disent pas « la mer est incompétente hein. ». Je me suis dit, je suis retournée à Saint-Denis, c'est joli, il y a plein de trucs, ça s'est transformé. Hein? Donc, 26% des croisiéristes, 20% sur Saint-Paul. C'est une belle dynamique. Mais oh, je rappelle, c'est un projet à la base pour essayer d'apporter une réponse sur la suite de la nouvelle route du littoral. La suite de la nouvelle route du littoral, qui à l'époque de Didier Robert n'avait pas été pensée, enfin pas que pour ça d'ailleurs, elle n'a pas été pensée tout à fait complètement. Et donc, ils n'avaient pas pensé l'entrée de Saint-Denis. Et donc, on avait 40 000 voitures qui arrivaient d'un coup sur le Barachois. Une deux fois deux voies qui arrivaient sur le Barachois, qui est, je le rappelle, une route régionale. Et à ce moment-là, Gilbert Annette, maire, moi j'étais présidente de la CINOR, nous avions décidé de lancer une étude en cofinancement et la région est venue aussi signer, pour analyser et avoir des hypothèses de travail pour l'entrée du Barachois. Études, propositions, débat public, et le débat public a abouti, je vous passe les années, hein, parce que ça a duré, le débat public a abouti sur des propositions, donc 5 hypothèses, dont une hypothèse qui allait bien à certains, débat public, néo, les gens disent on veut bien néo, mais ça ne va pas régler le problème de circulation régionale. C'est ça qu'ils disent. Et lors du débat citoyen sur les mobilités, le sujet revient. Mais il a abandonné Néo. Eh oui, Didier Robert, il a abandonné Néo. Néo n'est pas une route communale. Néo est un projet régional.